Dans ce centre commercial, les chiens sont les bienvenus, en poussette ou dans les bras de leur maîtresse. Voici la famille Gao au grand complet. Un après-midi de lèche-vitrine et d'achat pour les nouveaux petits empereurs du pays, Seven et Pudding, les deux petits chiens de ce couple marié. Ça lui va. Pas mal. Bah, moi, je préfère quand c'est plus court. Regarde par ici, maman va faire une photo. Ils dépensent 200 euros par mois pour leur bête. Le coût d'élever un enfant ici est tellement élevé, c'est tellement cher dans les grandes villes, et la pression est trop grande. Ces animaux nous apportent autant de bonheur qu'un enfant. Avec plus de 110 millions de chiens et chats dans les villes, la Chine est déjà le plus grand marché d'animaux de compagnie au monde. Et ce couple de jeunes cadres représente avec leurs deux chiens ces Chinois qui ne veulent pas d'enfants mais ont trouvé un substitut. C'est comme nos enfants, notre petite fille et notre petit garçon. Et toute une économie encore inexistante il y a 15 ans d'embrasser ses nouveaux parents. Piscine avec maître nageur pour chien. Regardez par ici. Des photographes animaliers, entre 400 et 1500 euros la séance pour croquer ses petits compagnons à poil. Il y a même de l'événementiel, avec ici une fête d'anniversaire groupée pour ces trois chiens. Des cadeaux et des gâteaux. Dans cette pâtisserie spécialisée, ces gourmandises sont pour les animaux, souvent à leur effigie. Le prix varie entre 3 et 50 euros. Les animaux de compagnie ne peuvent pas manger n'importe quoi. J'utilise beaucoup de fromage, du yaourt, de la patate douce. Et le nombre de commandes de ces gâteaux augmente d'environ 20% chaque année. Shanghai, capitale chinoise de la mode, pour chats et chiens aussi. Ils ont leur salon deux fois par an. Les dépenses pour les animaux de compagnie ont augmenté de 20% cette année, avec pléthore de marques spécialisées. Ça, c'est ce qu'on vend le mieux. C'est en coton, le prix est de 15 euros. En Chine, même les marques de luxe s'engouffrent dans ce marché de niche, avec tous ces accessoires pour les toutous. Et il y a le bien-être et la médecine. Chez ce vétérinaire, on peut appliquer les méthodes de médecine traditionnelle chinoise, comme pour les humains. Yen Yen, cette chatte de 8 mois, est calme, elle a l'habitude. Elle fait 2 à 3 séances d'acupuncture par semaine depuis qu'elle a été recueillie. Elle avait un problème à l'arrière-train. Ses nerfs lui faisaient très mal. Elle a été abandonnée et elle a été torturée avant. Et il y a beaucoup d'hôpitaux comme celui-ci à Shanghai. Des hôpitaux spécialisés en chirurgie clinique pour les yeux, etc. etc. 33 euros la séance de 30 minutes. J'ai une quarantaine de clients par jour et je fais de l'acupuncture à une vingtaine d'animaux tous les jours. 4 ou 5 chats et le reste, ce sont des chiens. Le nombre de clients augmente. De plus en plus de gens ont des chiens et des chats. Cela s'appelle du doga. Expirez lentement. Du yoga avec son chien. À chaque inspiration, vous sentez vos poumons se gonfler. Et il y a toujours plus de monde sur ce toit de Shanghai pour ses cours en binôme. Un animal de compagnie plutôt qu'un enfant. Selon une étude, il y aura plus d'animaux domestiques que d'enfants de moins de 4 ans en Chine d'ici la fin de l'année.